Dire que j'avais déjà tourné cette fucking vidéo. Donc oui, je fais une petite parenthèse pour avant de commencer cette vidéo pour vous montrer ce que ça rend au niveau du fond vert. Est-ce que vous aimez les fonds verts? Est-ce que vous aimez ce type d'incrustation de vidéo? Du coup, je vais rapprocher un petit peu plus le plan pour qu'on puisse un petit peu mieux me voir et que quand je vais faire l'incrustation, ce soit un petit peu plus, entre guillemets, flawless. Je vous avais déjà tourné cette vidéo. Il se trouve qu'il y a une partie que j'ai effacée par erreur, la plus grosse partie, du coup je me retape tout. Je me suis dit, la fille est tellement vénère qu'elle se retape tout. On y va. Coucou mes highlights, je suis très contente. J'ai un petit peu de maquillage sur la gueule. Très contente, mais vraiment très contente de vous retrouver enfin dans une vidéo où on y en paquettant les moins Pucci. Parce que tout simplement, je vous ai tourné le make-up de ce que je porte. Donc vous le verrez en vidéo prochainement. Moi, s'ils en est anti-bail, et ils m'en y anti-coussin, donc fasse-moi pas JJ. Bon, pour la coupe, je ne suis pas sûre de mon coup. Pour le coup, moi, on y fait des buns. J'ai fait deux buns, mais ça ressemble à rien. On y va tout de suite avec ces découvertes, ces produits achetés, ces produits reçus et je vous parle de tout tout de suite, c'est parti. Alors, on va commencer par les produits que j'ai achetés parce que, et puis on va finir par les produits que j'ai pu choisir sur Octoly. Vous le savez maintenant, je choisis souvent des produits sur Octoly. J'ai la chance d'avoir ou pas la possibilité de tester ces produits. Si vous êtes mal à l'aise avec ça, encore une fois, vous n'avez pas regardé cette vidéo. C'est une forme de campagne marketing. Soyez clair avec ça, je vous l'ai déjà dit. C'est une forme de campagne marketing que la marque met en place avec Octoly, tout simplement, c'est des partenariats. On ne gagne pas d'argent, que ce soit encore clair, je ne gagne strictement rien à vous présenter ces produits. Et vous le savez, même si les produits peuvent être hyper hype, hyper tendance, je vous dirai toujours ce que j'en pense, comme il était le cas pour la palette de Kat Von D, donc je vous remettrai la vidéo quelque part à l'écran. Donc là, je vais vous parler de ce que j'ai reçu, voilà, via Octoly, mais on va commencer d'abord par les produits que j'ai achetés. Je suis allée en Parapharma et je me suis repris des produits de la marque Aven. Aven, vous le savez, c'est vraiment une marque coup de cœur. N'essaye pas vraiment, je n'essaye pas du tout même de les caresser dans le sens du poil ou quoi que ce soit. J'adore cette marque. Je l'utilise depuis que j'ai 14 piges. Donc c'est vous dire, j'utilise leurs produits depuis très longtemps tout simplement. Je vais pas en faire tout un plat, mais je vous ferai une vidéo spécifique sur les produits Aven que j'ai pu utiliser depuis mon enfance notamment. Donc il y a la fameuse, la fameuse Aube Thermale Cleanance, qui est en fait une eau micellaire qui est nettoyante, sans rinçage pour le visage et les yeux, que je prends à chaque fois en 400 ml. Vous le savez, je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente favori découverte, que j'avais malencontreusement renversé le flacon et du coup j'étais dégoûtée parce que j'adore vraiment cette eau micellaire que j'ai découvert l'année dernière et je l'aime d'amour parce qu'elle est excellente pour le démaquillage, pour la peau, pour vraiment tout en fait. Voilà, elle est vraiment parfaite pour les peaux grasses à imperfection. Alors, ce qui n'est pas du tout mon type de peau, puisque vous le savez, j'ai une peau sèche à très sèche. Ceci dit, je l'adore. Je sais pas pourquoi, mais je l'adore sur ma peau. Donc, je vous en reparlerai dans ma vidéo spéciale Aven, mais sachez que c'est un vrai produit coup de cœur pour moi de chez Aven. Deuxième produit Aven, c'est la lotion tonique douceur, qui est en fait un produit que je viens de découvrir et que j'utilise, comme vous pouvez le voir, depuis quelques temps. Vous voyez le niveau là. En fait, elle est parfaite pour le démaquillage. Alors, je ne trouve pas. J'ai essayé pour le démaquillage et je l'aime pas beaucoup. C'est vraiment un produit que je vais utiliser après. Mettre complètement démaquillé, nettoyer la peau, c'est vraiment quelque chose qui va venir, je veux dire, résorber la flore naturelle de ma peau. Elle va comme ça avoir un pré-travail hydratant sur ma peau. Donc je l'utilise vraiment pour le coup comme une lotion tonique douceur. Donc c'est un produit que j'utiliserai toujours après m'être lavé la peau parce que j'estime qu'une eau micellaire, ça vous lave pas la peau. Hein. Faut arrêter d'être des malpropres et dire je tique une petite. Non, non. Moi, laver le visage, moi, je lave mon visage le matin, le soir, l'après-midi. Dès que je peux laver mon visage, je le lave. Et ensuite, j'applique une eau micellaire. Enfin, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Sur ma peau sèche, je précise. Donc, c'est un produit dont je vais vous reparler. Là, c'est bête, je l'ai secoué, mais je vous aurais montré. En fait, il est un petit peu biphasé, légèrement. C'est pas flagrant, mais légèrement biphasé. Et il est extrêmement doux pour la peau, mais je vous en reparlerai encore une fois dans la revue Aven. Et encore, un nouveau produit, celui-là, je l'avais jamais testé. C'est l'eau thermale. Bon, toujours au thermal Aven qui s'amanque à 10 autres là. C'est toujours dans la gamme Cleanance.
mais c'est la Cleanance Hydra. Donc c'est une autre gamme de chez Avène et c'est une crème lavante apaisante que je n'avais jamais testée. C'est du même format que le Cleanance, le gel nettoyant, vous savez, de chez Avène, dont je parle tout le temps, qui est un repurchase. Pas d'isote bien en anglais. C'est un achat que je fais tout le temps, que je rachète tout le temps. Et ça, j'avais jamais testé. Et mon Dieu, quelle douceur. Alors, c'est pour les peaux sous traitement desséchant et irritant. Donc, typiquement, pour une peau grasse, certaines peaux grasses qui sont en gros traitement deviennent sèches à très sèches lors de ces traitements. Et c'est très paradoxal pour ce type de peau parce qu'ils sont tellement agressés par les effets de ces traitements acnéiques que ce type de produit va venir régénérer, si vous voulez, la flore naturelle de la peau. Et moi, j'adore utiliser ce produit, mais un truc de ouf. Donc je le conseille vraiment aux peaux sèches. Pourquoi ? Parce que justement il a ce pouvoir rééquilibrant. Vous savez, quand on a la peau très sèche, on a du mal à supporter, en fait, dès qu'on nettoie sa peau, ça tiraille. Moi j'ai l'impression qu'on prend ma peau par derrière et puis il y a qu'à tirer comme ça. Donc, moi je suis en souffrance vraiment chaque fois que je me nettoie la peau. C'est pour ça que j'applique une lotion ou une eau micellaire derrière. Et typiquement ce type de produit, c'est génial parce que limite vous pouvez avoir un petit temps d'attente avant d'appliquer une crème hydratante ou votre crème de nuit par exemple. Mais très très doux pour la peau. Donc c'est le Cleanance Hydra, la crème lavante apaisante que je vous conseille pour tous les types de peau du coup, puisque moi j'ai la peau sèche et surtout que je recommande aux peaux acnéiques à très grasse sous traitement. J'enchaîne toujours avec mes achats para. Cette fois-ci c'était sur un site qui s'appelle Santé Discount. Je connaissais pas ce site et en fait j'avais envie d'acheter deux produits depuis assez longtemps. Alors c'est un produit qui était disponible notamment sur le Free Store mais que je n'ai pas eu parce qu'il était en rupture de stock. Du coup je me suis pas emmerdée, je l'ai acheté carrément parce que j'avais vraiment envie de le tester. C'est simplement le gel douche de la marque Clorane qui est en édition éphémère ou limitée. Maintenant c'est plus limité, Yoka disot éphémère, bref, qui s'appelle Féerie. Et c'est vraiment une odeur particulière. Ça sent les épices, ça sent un petit peu un parfum comme ça que j'ai porté il y a très longtemps. Ça a un petit côté oriental au niveau de l'odeur, un petit peu boisé, un petit peu bois de santal comme ça. Excellent, assez gourmand, légèrement gourmand. Et en fait je l'ai pas encore utilisé, mais il était vraiment pas cher. Il était à 4€ et des bananes sur le site Santé Discount. Donc je suis très contente de l'avoir eu sur le site. Et tant pis pour la, voilà, je fais de la pub quand même à la marque, même si en soi ils l'ont pas envoyé. Mais voilà, en tout cas c'est un gel douce qui a une très bonne odeur et que pourquoi pas, vous pouvez le tester pour le petit prix, ça vaut toujours le coup. Et en fait j'avais envie de tester depuis très longtemps un parfum dont j'ai entendu parler par une youtubeuse qui est malheureusement décédée, qui s'appelait Insta Style Chat. Elle est morte il y a 2 ans maintenant, paix à son âme. Et en fait dans sa dernière vidéo elle parlait de ce parfum et du coup bah, elle en parlait tellement bien que ça m'a tenté. Je me suis dit que j'allais essayer de le trouver, de me l'acheter, et je suis très contente parce que c'est le type d'odeur que j'aime porter. Vous avez des odeurs vanillées, coco, il y a de la bergamote dedans. Et c'est le dupe parfait, mais vraiment parfait pour le coup, du Once Goddess de chez Estée Lauder, qui est un parfum qui coûte dans les 30€ ou 40€. C'est plutôt une eau parfumée. Et en fait, c'est le même principe, c'est les mêmes notes quasiment. C'est un dupe quasi parfait, sauf que là, on est sur du... Alors, combien de millilitres ? 30 ml et là, 100 ml. Bon, là, j'avais le gros flacon, mais 30 ml, j'ai payé ça 14€. Donc, c'est bon, c'est plutôt cher, moi je trouve. Peut-être que vaut mieux utiliser pour 100 ml. Si vous aimez vraiment l'odeur, ça vaut peut-être plus le coup, je sais pas. Mais en termes de rapport millilitrage prix, finalement c'est le Bronze Goddess qui remporte pour moi la mise. Parce que là on est que sur 30 ml et là sur 100 ml, je crois que je l'avais payé moins de 30€. En plus, il est souvent en promo chez Sephora. Bref, donc l'eau parfumée de la marque Ixy. Ixy, je ne connaissais pas, mais c'est une marque made in France qui fait beaucoup de produits soins. Et voilà, paix à l'âme de Charlotte, voilà, mais j'ai eu une belle découverte, même post-mortem, donc voilà, petit hommage à elle. Je vous mettrai le lien de sa chaîne parce qu'elle est toujours ouverte. Moi je suis restée abonnée à sa chaîne et je vais pas en dire plus. J'enchaîne avec d'autres achats que j'ai effectués cette fois-ci sur le site, en magasin, puisque je suis allée chez Aromazon. J'avais besoin de nouveaux produits pour mon spray capillaire. Je vous ferai peut-être une vidéo sur mon spray pour mes locks. Ça viendra dans une autre vidéo, c'est promis. Je me suis pris de la glycérine végétale en 250 ml. Donc ça me permet, j'en mets en petite dose en fait dans mon spray capillaire. Et en fait c'est un produit qui est parfait pour hydrater et protéger le corps et les cheveux. C'est aussi un produit que vous pourrez utiliser si vous faites vos gels douche maison, vos gloss maison, vos soins corps maison tout simplement. Ça peut s'utiliser pour les crèmes, les baumes, les savons, les shampoings naturels. En fait elle assouplit, elle hydrate la peau et les cheveux, et elle donne aussi de la brillance pour les lèvres entre autres et pour les
les cheveux. Donc je me suis pris cette glycérine végétale qui est un humectant. J'enchaîne avec l'aloe vera. Je me suis pris un macérat huileux d'aloe vera. C'est super cher pour ce que c'est, je trouve. J'en ai pris 100 ml. C'est un revitalisant et nutritif qui est pour le corps et le visage. Mais je l'utilise moi pour mes cheveux. Je pense que je l'utiliserai aussi pour mon visage à l'occasion. Ça s'utilise pur ou mélangé avec des huiles essentielles ou d'autres huiles végétales en application sur la peau. S'utilise aussi en tant qu'ingrédient cosmétique quelconque. Donc voilà, vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Elle est très prisée pour ses propriétés nutritives, revitalisantes et lissantes. Ce macérat est connu pour favoriser la régénération cellulaire, atténuer les ridules et adoucir la peau. Bon, apparemment c'est plus spécifique pour la peau, mais honnêtement moi j'utilise dans mes cheveux et je vois pas, enfin ça m'a l'air de fonctionner, donc peut-être que j'essaierai de l'utiliser pour la peau, de regarder plus. Mais j'avais vu une nana l'utiliser entre autres dans ses vapeaux, du coup ça m'a tenté. Et enfin le dernier achat que j'ai fait en magasin, toujours à Aromazone, c'est un truc de dingue, c'est blindé à Paris, chaque fois que t'y vas c'est blindax, enfin bon bref. Donc j'ai pris une fragrance cosmétique qui s'appelle la Beauty Addict. Alors typiquement ça sent super bon. C'est juste pour voilà, donner une petite odeur à mes cheveux quand j'applique justement mon vapeau. Et vraiment, c'est une petite odeur très sympa de cosmétique. Vous avez plein de fragrances comme ça, cosmétiques chez Aromazone, qui sont plutôt pas mal. Vous avez du Monoi, de l'Ylang Ylang, plein de trucs. Enfin bon, c'est plutôt sympa. J'enchaîne avec les produits reçus. C'est parti. Donc, il y en a pas mal. J'ai commandé pas mal de choses sur le site de Docto. Et franchement, je pensais pas tous les recevoir. Mais du coup, j'étais très contente. Parce que la plupart d'entre eux, ben, les marques ont accepté. J'ai reçu de la part du d'Estée Lauder cette crème Revitalizing Supreme Plus, qui est en fait une crème anti-âge. Alors pour moi, c'est un petit flop. Je vous en dis pas plus parce que je vais vous faire routine teint spéciale sur entre autres super cher. Je vous laisserai le prix en barre d'infos. Je passe aux autres produits. Donc on va finir par les parfums parce que j'en ai reçu quelques-uns. Et on va finir aussi par ce que je porte sur les lèvres. Donc j'ai reçu ces trois petits dentifrices de la marque Merci Andy avec un immense, on témoigne, All You Need Is A Smile. Donc toujours Merci Andy. C'était marqué l'incroyable Peggy avec mon adresse, mon nom et tout. J'ai trouvé ça très mignon, très sympa. Donc apparemment ce sont des produits donc toujours made in France. Les dentifrices valent 3,90€. Alors c'est comment? Faut m'expliquer parce que là j'ai envie de dire non merci Andy. Parce que je me suis dit, il y a de l'or dedans ou c'est comment? C'est comment? Il y a de l'or, il y a de la poudre de diamant, parce que 3,90€, 50 ml au GIA. Vraiment, c'est que dans moi qui est resté blanc jusqu'à ma mort et au-delà. Parce que là, ça chère quoi. Pour moi, c'est cher. Hein. 3,90€ le dentifrice de 50 ml. C'est à utiliser. C'est même pas pour toute ta famille. Si tu as des enfants, tu dis à l'enfant de ne pas toucher ça. Tu lui dis ça, c'est pour moi et papa. Et encore, ton mari, tu le caches. Parce que l'imbécile va mettre ça dans sa bouche. Non, bon, non. Il va même pas penser à toi. Non, sincèrement, les gars, 50 ml, c'est pas toute la famille. C'est ça. À moins que. Alors attendez, non, c'est bien ça, hein. C'est 50 ml là qui a pris à manque, ouais. Bon, à moins que les 50 ml ce soit vraiment la version marketing pour tester, mais on va savoir. Et bon, moi ça, 50 ml, 3,90€, ça chère. C'est cher pour moi. Pour moi, c'est très cher. Du coup, comment vous dire? Je suis en train de tester celui à la licorice, donc à la réglisse. Il y a berry, donc comment ça s'appelle, cassis, et il y a menthe. Donc la réglisse, j'aime beaucoup. Moi, j'aime les goûts assez atypiques. De manière générale, ils sont 90%, 18% d'origine naturelle, donc ça c'est cool. Le prix, les gars, quoi? Le prix qui va. Non, sincèrement, tous les jours tu fais tes courses, donc t'achètes en fait le dentifrice, 3,90€, tu as ça de dentifrice, tu ne peux pas acheter de papier cul après. Ça, non, tu ne laves pas tes fesses, non, tu ne laves pas tes fesses, t'achètes ça et c'est bon, tes dents sont propres au moins, tes fesses sont sales. Enfin, n'importe quoi, Peggy. Ce que je veux dire par là, c'est que pour le prix, sincèrement, les gars, non. 1,90€, je dis pas. Parce que déjà, les dentifrices qu'on achète chez Lidl, je crois que tu as pour presque 150 ml des fois de dentifrice. Alors, ok, ils sont peut-être pas d'origine naturelle et tout ce que tu veux, mais ils lavent aussi bien mes dents, sincèrement. Je ne vois pas de truc ouf par rapport à ces dentifrices-là. Très sincèrement, très honnêtement, il n'y a rien de oufissime. Juste des dentifrices avec des petits goûts spéciaux, avec des petites particules qui te, effectivement, qui vont venir gratter tes dents et enlever tout le tartre que tu as. Mais à part ça, c'est des dentifrices, quoi. Donc, merci Andy, mais non merci Andy quand même, hein, parce que là, il y a d'autres trucs, même si moi, ma main, la preuve, j'achète souvent vos petits gels mains. Donc ça, c'est moi qui ai acheté, hein, c'est pas la marque qui m'a envoyé. Donc j'ai celui, par exemple, à l'encens du Japon, et celui-là, citron pressé, c'est des anciens packaging. Mais là, pour les dentifrices, non merci Andy, ça va aller. J'enchaîne avec
du parfum. Alors je vais commencer par le premier parfum que j'ai reçu, c'est le Anaemori Butterfly. C'est le type de parfum que je vais porter limite toute l'année et c'est tout à fait mes odeurs. Alors mes odeurs de parfum, pour juste vous donner une idée, ce que j'aime sentir, c'est la coco, la vanille, le bois de santal, la bergamote. Dès que je vais avoir bois de santal, de manière générale, je vais sauter dessus, bergamote, je saute dessus. Dès que je vais voir ylang ylang, dès que je vais voir vanille, comme je vous l'ai dit. Voilà, c'est des notes que je suis sûre d'adorer. Et ce parfum a ces notes-là, donc je vais vous lire un petit peu l'historique. Anaemori, pour celles qui ne le savent pas, c'est une grande styliste japonaise qui est née dans les années 1926, donc elle a 91 ans, c'est pas n'importe qui cette dame parce que c'est la première asiatique à avoir bénéficié de l'appellation haute couture et elle a fait carrière au Japon, elle est membre de la chambre syndicale de la haute couture parisienne. Oui, j'ai fait mes recherches, oui, parce que si c'est pour juste regarder que j'ai reçu un parfum et dont la marque tu ne connais pas, si tu ne sais pas qui est Anaemori, je te l'explique, tu vois ou pas, comme ça tu vas dormir moins bête. Donc on enchaîne. Donc merci à Jessica qui m'a fait ce joli petit mot. Et moi je suis allée faire mes petites recherches sur Anaemori puisque ma pâté gonette lit. Et ben elle a une carrière de ouf derrière elle. Donc c'est pas n'importe qui cette dame. Elle a fréquenté en plus Coco Chanel et tout. Et elle a sorti sa marque en 95, sa marque de parfum. Et ses parfums sont réalisés par des maîtres parfumeurs. Donc la famille olfactive de Anaemori et donc du Butterfly. C'est pas la même chose. Anaemori c'est la créatrice. Le Butterfly, élégance intemporelle, c'est l'un de ses parfums. Donc là moi j'ai reçu le 50 ml, donc l'eau de parfum, je précise. C'est un parfum qui a des notes florales fruitées, c'est la famille olfactive. Et lorsqu'elle a imaginé Butterfly, Anaemori s'est inspirée des réminiscences des jardins de son enfance, cerisier en fleurs, douceur de baies sauvages et odeur de sous-bois. Elle a été créée donc voilà en 95, on vous explique un petit peu l'histoire de la marque. Les notes, bois de fraise des bois, mûre, cassis, rose bulgare, ylang ylang, jasmin, pivoine, bois d'amandier, bois de santal et bois de rose. Donc moi typiquement j'ai vu ylang ylang, bois de santal, j'ai dit c'est bon, je vais kiffer ma race sur ce parfum. Et effectivement je le porte actuellement. Je l'ai mélangé bien sûr à d'autres parfums, mon toujours café mélange. Donc je le kiffe de ouf. Il y a des produits complémentaires que je vous mettrai à l'écran. Donc voilà, avec les prix, tous les liens de ce parfum seront en barre d'infos. Le packaging est magnifique, le bouchon est magnifique, tout est en verre. Donc si vous faites tomber le bouchon, il explose parce qu'il est en verre aussi. La classe à l'état pur, vraiment, c'est un parfum, on est dans le haut de gamme quoi. Donc voilà, j'enchaîne avec ce petit parfum que j'ai reçu toujours. C'est un parfum de la marque Nocibé. Nocibé a sorti une ligne de parfums. Vous en avez 6, je vous les mettrai à l'écran. Vous avez différents contenants. Donc vous avez du 50 ml ou du 10 ml je crois. Je vous mettrai ça à l'écran de toute façon. Moi j'ai pris le Woody Mirage. Je vous mettrai les notes exactes à l'écran, mais il me semble qu'il y a de l'ambre. Ouh, je sais plus les notes. Il y a plein de choses dedans. Je vous mettrai les notes à l'écran. Vraiment, le packaging est adorable. Tout mignon. C'est une eau de toilette, c'est pas un parfum. Alors, quand on pulvérise, on a vraiment une odeur très alcoolisée. Mais vraiment très très alcoolisée. Ce qui me dérange, c'est que la vapeur d'alcool se disperse un peu comme une eau de Cologne. D'abord, en tout cas sur ma peau. Hein. Je précise, ça peut être très différent d'une peau à l'autre. Sur ma peau, je sens comme de l'eau de Cologne dans un premier temps. Et ça prend bien une bonne minute avant de se dissiper. Et là, j'ai les notes de cœur de fond, etc., qui ressortent sur ma peau. Je pense que je vais l'apprécier là durant les beaux jours. Typiquement c'est un parfum que je vais porter sans aucun problème durant les beaux jours et plus encore, donc peut-être même durant l'été. Voilà. Enfin on va terminer avec ce que je porte sur les lèvres. C'est tout simplement le Young Attitude de chez MAC Cosmetics. Encore une fois, je vous l'ai dit, je l'ai reçu via Octoly et je remercie la marque de m'avoir permis de le tester. C'est une couleur atypique, je vous l'accorde, mais qu'est-ce que j'aime ce type de couleur atypique. Vous pouvez pas savoir à quel point. Moi je porte du bleu, je porte du vert, je porte de tout, j'ai aucun souci avec ça. Je sais hein, qu'on peut pas porter ce type de couleur dans n'importe quel type de boulot. J'ai la chance de pouvoir porter ce que je veux. Donc j'en profite en fait. Typiquement c'est une couleur magnifique. Je n'ai pas encore reçu le second que je me suis pris, puisque je m'en suis pris un deuxième. Vous le verrez dans une future vidéo, c'est promis. Quoi qu'il arrive, vous le verrez en action dans ma vidéo tuto que je vous ai fait sur ce make-up là. Je vais finir avec le bon plan.
Ce sont mes fossiles de la marque Visiophy. J'en ai acheté plein et je vous conseille d'arrêter d'acheter des fossiles à plus de, on va dire, plus de 5 euros. Arrêtez. Cadez l'agent Zot, ma fille. Vous avez des fossiles sur AliExpress et notamment un vendeur et je remercie très, très, très chaleureusement. C'est Satya Beauty. Si tu passes par là, ma belle, je fais des gros bisous et je te remercie pour tous tes bons plans, tous tes swatchs, etc. Elle est géniale, cette meuf. Satya, je l'aime beaucoup, je la suis parce que voilà, c'est une beauty addict. Clairement, je la suis, mais je regarde pas toutes ses publications parce que des fois elle me fait trop envie. Voilà. Mais c'est trop bien parce que j'ai beaucoup d'inspiration grâce à elle. Et quand elle partage des fois des bons plans, c'est toujours intéressant. Donc celui-là, je lui dois vraiment ce bon plan. C'est des fossiles qu'elle avait trouvé donc sur le site d'AliExpress. On en a pris plein, mais plein. Et la marque, c'est Visiophy. Ce sont les fossiles que je porte actuellement qui sont des demi-wispy. Vous aurez les liens sur ma page Facebook, comme toujours, comme d'hab. Donc toujours sur ma page Facebook, j'espère que tout simplement, ben, vous serez contente d'avoir ce bon plan pour des fossiles à vraiment moins d'un euro. D'un euro, je les ai payés 89 centimes, puisque pour les 12, j'en suis pris 12 paires, j'en ai eu pour 11 euros. Donc voilà pour cette vidéo, mets-toi en place. Je vous ferai une autre vidéo prochainement, notamment sur des petites choses que j'ai achetées, encore une fois. Choses, vous verrez de toute façon, notamment sur le site Amazon. Mais je vous en reparle, c'est promis. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse fort toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans une autre. Salut !